que je voudrais vous montrer là, c'est que souvent, on se retrouve avec, vous voyez, les yeux à l'opposé comme ça. Ça, c'est un problème de plantation. À la plantation, on devrait orienter les yeux dans l'axe du rang. C'est-à-dire que les planteurs, quand ils plantent, là, ils devraient juste prendre le cep et le tourner dans l'axe du rang. Parce qu'à chaque fois, on se retrouve un peu embêté. Dès la première année, normalement, on doit avoir la possibilité d'orienter dans l'axe du rang. C'est-à-dire que quand on a une pousse d'un an, ça, c'est important de le voir et de l'essayer. Mais quand on a une pousse de 1 an, sur la première année, si on a les yeux pas dans l'axe du rang, suivant si on tourne à gauche ou si on tourne à droite, on a un mouvement des bourgeons différent. Et donc, au lieu de faire un pointu et de laisser 2 yeux, j'aurais tendance, moi, plutôt, à donc on enlève les yeux du bas, et après on laisse les yeux dont on a besoin, on enlève les yeux après, sur notre jeune pouce, et là, on va la plier pour orienter les yeux dans l'axe du rang, soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc en fait, on voit que quand on plie ici, ça ne bouge pas. Par contre, quand je vais plier ici, regardez, hop, ça rentre dans l'axe du rang. Et donc ça veut dire que celui-là, je vais le plier dans ce sens-là pour orienter les yeux dans l'axe du rang. Vous comprenez? Ça, c'est super important, c'est ce qu'on appelle anker, hein. Donc on a une première chance ici. Quand ils sont jeunes, c'est le plus facile. Et donc, vous allez plier un coup dans un sens, un coup dans l'autre, de manière aléatoire, suivant en fait la manière dont ça se comporte quand vous allez plier, pour avoir les yeux dans l'axe du rang. Et si ce n'est pas fait, vous vous retrouvez dans cette situation l'année suivante. Généralement, si vous l'avez fait, vous vous retrouvez au moins dans cette situation. S'il était comme ça, vous auriez au moins gagné ça. Alors que là, il va falloir forcer un peu pour le faire. D'accord ? Il va falloir arriver à le faire tourner soit comme ça, soit comme ça. Donc là, vous essayez. Là, je vois que c'est plus dur comme ça. C'est plus dur comme ça que comme ça. Mais si vous ne le faites pas maintenant, vous allez vous le traîner toute votre vie, ce cep. Donc, je vais utiliser ce que j'ai de disponible ici pour arriver à le tenir non seulement droit, si je peux avoir une agrafe ici, c'est encore mieux, mais je vais... c'est pour ça que je le laisse là. Je vais utiliser tout ça pour pouvoir le tenir dans l'axe du rang. Donc soit j'avais ça pour le faire, soit aussi je peux me débrouiller avec les deux bras. Et s'ils sont trop souples, ça après ça. Donc si j'ai mon courson ici cette année, d'accord, j'ai mes yeux plus bas que les premiers yeux de ma baguette, d'accord. Donc du coup je vais me faire un bras décalé comme ça. Donc pour éviter d'être décalé, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le premier œil, par exemple ici, et je vais faire mon courson plutôt ici. Comme ça, j'ai mon courson ici, ma baguette ici l'année prochaine. Je peux très bien après garder ça en ébourgeonnant. Et là, je peux me servir de ça pour... Je peux le casser après ici. Est-ce que ce qu'il faut, c'est pas casser ici. Me servir de ça pour tenir mon cep dans l'axe du rang. Et là, de ce côté-là, je vais faire ma fructification pour cette année. Donc 3 et 2, 5. Je pense que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup plus ici. Et donc là, ça va être un peu délicat. Il faut l'accompagner parce que sinon, ça va mal se passer. Et là, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir celui-ci qui sort ou celui-ci. Pour faire les deux bois de l'année prochaine. Donc après, je vais enlever le 3 et le 4. D'accord? Je vais enlever le 5 qui est sur le dessous là, pour être sûr de ne pas être tenté de le prendre. De manière à être sûr que les deux premiers sortent là. Vous me comprenez quand je dis ça? Il faut qu'ils sortent, sinon je me retrouve direct à faire du bois ici. Ce que je veux, c'est un courson là, en quelque part. Je veux fabriquer mes bras. Donc j'enlève le 3, le 4, le 5. Et après, je vais rajouter, et je ne suis pas trop gourmand, surtout pas à ce moment-là, je vais rajouter... 2 ou 3 yeux. Hein, regardez, 1, 2, 3, c'est pas mal. D'accord? Et donc, voilà. Il ne faut pas être trop gourmand la première année, surtout parce que le risque, c'est quoi? C'est que ça ne démarre pas à la base. Et si ça ne démarre pas à la base, vous êtes marron. Voilà. Vous voyez le concept? C'est pareil, hein, y en a à dire. Hein, sur la formation. Bon, moi ce que je trouve, c'est que c'est trop bas. Hein. C'est-à-dire que le fil, ici, là, vous n'avez plus trop le choix maintenant. Vous ne pouvez pas décapiter les pieds pour redescendre. Je pense que vous allez faire des vignes plus hautes que ce que vous avez pensé au départ. Il faut, si vous voulez être tranquille, on va regarder, hein, mais il faut monter le fil ici, là.
après, c'est plus... Ça dépend des rangs. On va aller voir plus loin. Ça dépend des rangs. Alors du coup, celui-là, si on le taillait, si j'enlève, donc je suis même pas obligé, si je veux le laisser attaché au fil, là du coup, je peux laisser la strangulation ici, je m'en fous. Hein. Donc je peux le laisser attaché au fil ici. Ce qu'il faut, c'est surtout que je coupe les deux du bas parce que on voit que sur les autres, ils ont été un peu strangulés. Et puis après, je vais me retrouver à mettre, à faire un courson d'un côté et une baguette de l'autre. Si je fais mon courson en dessous, hein, celui-là il est plus bas. Je fais mon courson en dessous, d'accord. Donc au lieu de prendre ces deux-là, je vais prendre ces deux-là ou ces deux-là. Hein, si vous voulez toujours le courson en dessous, peu importe. Hein. Moi je vous ai dit que je m'en foutais, hein, même si la baguette était là ou là, je m'en fous. Je vous la fais là pour pas vous brusquer trop. Et donc là je vais me retrouver au même niveau que mon premier œil. Ici, qui va me faire mon courson l'année prochaine, d'accord. Donc si je fais ça, je me retrouve avec, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait tout à fait, j'ai fait deux yeux là et deux yeux là, d'accord, ok. Donc ça me permet d'être sûr d'avoir mes deux coursons pour l'année prochaine, et vous voyez que je suis au même niveau. Donc je vais avoir un cep qui va être au même niveau. Donc il faut que je fasse une fructification là-dessus, j'aurais dû faire une latte sèche, mais bon, je peux faire une fructification là-dessus, juste pour un an. Hein, donc là, je vais ébourgeonner pour laisser vraiment place aux yeux sur le courson. Je vais ébourgeonner, je vais même aller ébourgeonner celui-là, et celui-là parce qu'il est dessous. Et là, je vais laisser 3 ou 4. Là, je vois, hop, 1, 2, 3, 4. Hop, je coupe ici, et du coup, je peux enlever les yeux de ce côté. Hein ? Donc, ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Hein. J'ai 8 yeux là. Hein. Et par contre, tu vas On aurait pu laisser l'as du bas en latte sèche. Ouais. Mais c'est plus risqué que de faire ce que j'ai fait. Ouais. Hein? Puisque là, comme ça, on est sûr que ça sort en bas. Et donc là, vous voyez, regardez, là, on est bien par rapport à la hauteur. L'année prochaine, on sera même à la même hauteur. Et vous voyez, pour plier, là, c'est quand même bien plus confort, quoi. C'est quand même bien plus confort et bien moins traumatisant pour la baguette. Hein. Parce qu'on est à la bonne hauteur. Et donc ça veut dire que pendant 10 ans, 15 ans, on est à la bonne hauteur. Après, il faut défaire le crampillon, monter le fil de ça, et on sera de nouveau à la bonne hauteur. Ce fil-là, il est amovible. Ou alors, retirer un fil. Ça dépend comment vous serez, mais si tous les ans, vous entourez votre fil, votre baguette autour du fil, là, par exemple, vous avez ce qu'il faut pour vous tenir. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Bien entouré, ça tient. Si la baguette, ici, elle est attachée, votre pied, il n'a plus besoin de marquant. Hein. Bien. Il faut regarder, mais c'est vrai que là ça a tendance à aller mieux qu'au début là-bas.